Ah, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, Blanchette, c'est beau. C'est très très beau. Ce soleil en train de se lever comme ça sur la savane, c'est tout juste tout simplement magnifique. Bonjour à tous, c'est Gus, et bienvenue pour la suite de Zoocraft, un gars et une chèvre un Walibi qui s'est échappé de la cage. On reprend donc cette aventure, là où nous l'avions arrêté il y a quelques jours maintenant, une petite semaine. Je sais que vous étiez très impatients de retrouver la suite de cette incroyable épopée animale, finalement, où, avec Blanchette, nous avons décidé de fabriquer un zoo. Pour le moment, nous sommes dans une zone... Voilà, c'est ça que je cherchais à faire, dans une zone de capture, hein, n'est-ce pas, Blanchette? Une zone dans laquelle nous stockons les animaux que j'ai eu le plaisir de pouvoir capturer jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'un de nos Walibis s'est échappé. Je vais les recompter pour vérifier ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas très grave, l'important c'est qu'il reste à proximité et apparemment il n'a pas envie de s'éloigner de trop. Vous voyez que les zombies sont en train de mourir. Alors on a toujours nos singes, nos amis, notre ami le caïman là-bas dans sa cage. Rien n'a changé, nous avons de petits papillons aussi qui volaient à droite à gauche. Ah, il est pas content, il en a ras-le-bol, je crois, d'être là, enfermé. On va donc aujourd'hui continuer. Je sais que vous êtes très impatient, et je vous avoue que moi aussi, très impatient de commencer la construction du zoo. Mais c'est une étape secondaire. Dans l'immédiat, nous sommes toujours dans une démarche de capture. On va essayer de récolter, de récupérer, d'attraper, de ramener jusqu'ici un maximum de bestioles. Des bestioles qui vont ensuite avoir leur emplacement, bien entendu, leur enclos, leur cage, éventuellement leur bassin, car il pourrait y avoir des animaux aquatiques. Quelqu'un parmi vous m'a dit, dans un commentaire, qu'il aurait vu... Dans le désert que nous avons visité, Blanchette, arrête. Tiens, prends ça. Dans le désert que nous avons visité la dernière fois, voilà. L'un d'entre vous m'a dit qu'il aurait vu, à l'image, à la vidéo, un chameau ou un dromadaire. Eh bien écoutez, on va aller le chercher aujourd'hui même, en allant utiliser notre ballon, un petit peu comme nous l'avions fait la dernière fois. Nous avions réussi à capturer deux iguanes que nous avions trouvées dans le désert, et qui sont normalement toujours dans leur cage, je l'espère en tout cas. Non, il n'y en a plus qu'un. Merde. On n'a plus qu'un seul iguane sur les deux qui étaient là. Où est passé l'autre? Et où? Là-bas. Non? Si, il est là. Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire dans l'immédiat, c'est fabriquer une petite cage supplémentaire qu'on va placer par ici. Ah oui, c'est vrai. Il faut que j'y aille avec des outils, je ne suis pas en créative. On va faire une petite cage juste là, une extension pour... Ce serait peut-être l'occasion de vous montrer... je les ai pas. J'aurais bien aimé faire une cage. Allez, je vais le faire. Je dois avoir ça dans mon ballon qui est là-haut. Bon, mais écoutez, alors... on va faire une petite extension juste là. Je sais, les kangourous sont extrêmement pénibles. Hein, ils font un bruit très désagréable. Mais là, je voudrais faire une cage pour nos amis iguanos. Je pourrais aussi tout simplement... On va faire une petite cage juste là. On va essayer de les enfermer à l'intérieur. Ça ne devrait pas être trop dur. Donc pour le moment, c'est moche. Je le sais. C'est du stockage de bestioles. On est dans une première partie de saison de un gars et une chèvre. De capture d'animaux. D'ailleurs, notre amie Blanchette n'est pas d'une grande aide. Blanchette, ramène-toi! Dépêche-toi! Viens là! Faut savoir lui parler à cette chèvre. Allez, viens, dépêche-toi, oui. Viens m'aider un petit peu. Je suis en train d'exciter tout le monde avec mon cannabiche. Avec mon herbe. Alors, on va faire ça un petit peu plus haut. Et je n'ai plus de barricade. Est-ce que j'en ai dans des coffres par là-bas? Je vais aller voir ça. Tac, 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 tac. Hop, non. Photo. Ah bah d'ailleurs, j'ai des photos à ranger. Allons-y, iguane noire. Hop là, donc il va falloir que je puisse remonter jusqu'à mon ballon. Eh bien, écoutez, on va faire ça dès maintenant. On va déjà détacher la cage. Qui est là. Ah. Voilà. Sinon, mon ballon l'emporterait avec elle à nouveau. Nous allons grimper dans le ballon. On va essayer. Oui, alors pour cette histoire de ballon, d'essayer de mettre un système de pistons, des escaliers, des trucs, des machins, on va pas s'embêter, hein. Je me suis pas fait bien mal la dernière fois. C'est pas très dangereux. Vous voyez aussi que quand on s'est quitté la dernière fois, j'ai vite sécurisé là, ici, puisqu'il y a une porte, et qu'effectivement, les zombies auraient pu péter cette porte pendant la nuit, ce qui aurait été embêtant. Et en même temps, ça n'a pas empêché l'un
l'un des habitants de cette cage de s'échapper malgré tout. Donc il faudra que je pense systématiquement où est l'entrée. Oui, c'est bien là. Je vais essayer de me... Ah ouais, ça va être chaud. Ce qui est assez que j'ai pas mal de matos dans le ballon et il faut absolument que je le récupère. Ça m'évitera d'avoir à me prendre la tête, à aller casser du bois, enfin bref. Voilà. Grappons. Voilà. Alors. Déjà, nous allons... Ah oui, il faut que je recasse ce qui est là. C'est un peu compliqué cette histoire. Alors attention. 1. Voilà, normalement on est libéré, on va enlever le... Voilà, je vais décoller tranquillement, on va atterrir un peu plus loin, style par là, c'est très bien, atterrissage. La boussole est très pratique pour ce genre de choses justement, voilà. Donc nous avons atterri, est-ce que tout va bien? Bah écoutez, c'est impeccable, c'est parfait. La cage est là. On la récupérera, on va la réutiliser de toute façon, elle va nous servir. Voilà, je casse ça. Ne mange pas, Blanchette, ne mange pas les détritus. Elle mange tout ce qu'elle trouve. C'est insupportable. Alors, j'avais besoin de barrière pour finir la cage, pour... Ah mais on a un singe là-bas aussi, est-ce que c'est le singe? Bon, bref, l'important c'est qu'il reste dans le secteur, c'est pas très très grave. On laissera de toute façon dans notre zoo des animaux se promener de manière totalement libre. C'est ça aussi, les animaux les zoos modernes, c'est souvent ça. On a la chance et le plaisir de pouvoir se promener au milieu des bêtes. Hop, par ici. Vous êtes nombreux à me demander mon point Minecraft, je ne le donnerai pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas très autorisé. Et la deuxième, c'est que ce point Minecraft là m'a demandé un boulot monstre. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passé à configurer cette partie. Et, alors, je vais pas dire que ça m'appartient, que j'ai. Voilà, mais dans l'immédiat, je vais faire ma saison. On verra après. Sachez aussi que j'ai créé, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un blog gusdx.fr, www.gusdx.fr. Je vous invite à vous y rendre. Très prochainement, je mettrai une section spécifique avec les modes que j'utilise dans les différentes saisons et tout ça. Vous pourrez donc ainsi savoir exactement... Allez, viens. Ah, il veut s'échapper. Ah non, il me suit ou pas? Oui. Allez, viens. Nickel. On va déjà enfermer celui-là. Voilà. Allez, viens. Ça, c'est fait. Ah, il me suit encore. T'échappes pas. Viens là. Allez. Allez, viens. Je sais pas du tout, j'ai oublié de regarder réellement ce qu'était cette bestiole. Espèce d'iguane noire avec des yeux rouges, c'est tout à fait surprenant comme animal. Je suis bien d'accord avec vous. Je lui donne mon blé, j'ai pas beaucoup de blé en même temps. Je vais mettre... Oh, reviens. Il se barre dès qu'il peut, quoi. Allez, viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Allez. Je vais me mettre devant le passage. Voilà, et de 1. Où est l'autre? On va essayer de retrouver son pote. Blanchette, reste là, ne me suis pas. Mais à mon avis, c'est mal barré. Où est-ce qu'il est passé? Je le vois pas. Là-bas. Il a eu le temps de partir bien loin, en fait. Allez. Il se barre. Et où? Allez, viens. Ah, ça, c'est pénible. Si à chaque épisode, il faut réattraper les mêmes bestioles, ça va être un tout petit peu galère. Blanchette, là. J'ai entendu un zombie. Blanchette, laisse-moi travailler, ne m'embête pas. Cette herbe n'est pas pour toi. Donc là, il va falloir les faire rentrer. Je les ai regroupés, on va les faire rentrer tous les deux. Alors, je casse ça, je reprends l'herbe. Allez, viens. Entrez tous les deux. Venez, 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 venez. Et on ne bouge plus après, hein. Vous restez là. Attention. Attention. Oh putain, j'ai posé une torche, quel con. Oh là 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 là. C'est pas facile. C'est-à-dire que l'IA de ces animaux est tellement spectaculaire. Voilà, ils sont enfermés là, je pense qu'a priori, ils ne pourront pas en sortir. Oh, quoique. Quoique.
Je vais casser ça. Ah, les cons. Restez là, restez là, restez là. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Faut que je mette une porte. Et il m'attaque. On va recommencer, c'est pas grave, on va y arriver. Alors toi, t'es là, ok. Ah oui, mais il m'attaque maintenant, il me déteste. Où est son copain? Son copain est là. Allez, venez les amis. Je vais enlever l'herbe. Oui, vous voulez absolument aussi que je plante des fraises. Nous ferons des fraises plus tard. Pas très important, pas très urgent. Là, je me galère avec les animaux. En fait, c'est un épisode de 45 minutes avec la recapture des iguanes noires du désert. Attention. Pousse-toi. Oh, il me casse les couilles, celui-là. Pardon, hein, je parle vulgairement, mais j'en ai ras le bol. Non, Blanchette, t'en mêle pas, je t'en supplie. Ne t'en mêle pas, reste dans ton coin. Ouais, mais lui, il est très énervé, là-bas. Et la nuit retombe à nouveau. C'est pas grave, on ira dormir. Allez. Hop, 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 hop. Attention, moment difficile. Tu rentres, toi. Tu rentres, toi. Ah, bordel, j'en peux plus. En plus, on a les deux... Enfin, les deux, le troupeau de Walibi qui fait un bruit pas possible. Allez, venez. Ce coup-ci, c'est bon. Ce coup-ci, c'est bon, je vous tiens. Non, mais pourquoi il veut sortir absolument celui-là? Reste là-dedans. Non, 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 non. Je vais pleurer. Je vais pleurer. J'en peux plus. Voilà, tout simplement. Et moi, je vais sortir par là. J'aurais dû y penser avant. Je suis désolé. Tout ça pour ça. Ils veulent bien me laisser sortir, ils sont en train de me becter. Arrêtez, laissez-moi partir. Oh putain, et avec un peu de chance, ils peuvent pas utiliser les échelles. On va voir ça. Ça, ce serait dramatique. Je vais les casser de toute façon. Voilà. Au moins, ça, c'est fait. Blanchette, suis-moi. Reste pas là. Il y a du danger, c'est la nuit. Blanchette. Laisse ça, laisse. Alors là, vous voyez ce qu'elle a là? Elle est juste attirée par ce qui est tombé, les petites échelles qui sont blanchettes. C'est par ici que ça se passe. Ouais, tant pis pour toi. Allez. Moi, je rentre. Allez, go. Je vais dormir. Bah, je m'attendais pas à galérer autant aujourd'hui. Hein. Première journée, reprise de cette aventure. Et grosse galère dès le départ. Dodo, on se retrouve tout à l'heure. On ira chasser le chameau. À tout à l'heure. Ben écoutez, voilà, le jour s'est levé, encore une belle journée qui commence. Est-ce que j'ai des choses dans ce coffre? Rien du tout, ok. Nous allons nous remettre de nos émotions de la veille, ranger les petites affaires qu'on a trouvées, donc ces graines, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? La boue, je la garde, puisqu'il va bien falloir un moment ou un autre que je petit déjeune. Bon, j'ai l'équipement de base, on va le garder sur nous. On va aller voir si nos amis les iguanes sont toujours dans leur cage. Oui. Comme quoi, on n'a pas fait tout ça pour rien. Blanchette est toujours sur... Blanchette! Blanchette! Arrête un peu! Laisse ces animaux tranquilles. Là, elle est juste intéressée par le... Elle est juste intéressée par les échelles qui sont tombées. Je vais les récupérer, comme ça, au moins, elle arrêtera. Allez, hop. Voilà. C'est très gentil, Blanchette, de vouloir faire le ménage, mais ça n'a aucune forme d'utilité. Qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a quelque chose dans l'herbe, juste là. On va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est? Enfin, il me semble avoir vu quelque chose. De noir qui sautait. Alors, c'est peut-être le pigeon qui est ici. Ouais, ce sont des... Non, non, regardez, il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Non, ça ne bouge pas. C'est une araignée, tout simplement. Et un squelette. Ah, voilà, il est en train de crever. Très bien. Écoutez, on va pas s'y intéresser. Ce sont des araignées, tout simplement. Donc on va pas s'en intéresser plus que ça. Je vais aller chercher du blé, j'espère que j'en ai là-bas. On va ramener Blanchette dans l'enclos. Je préfère ne pas emmener Blanchette avec moi lorsque je vais chasser l'animal, en tout cas les capturer. J'aurais trop peur qu'elle se fasse mal. Ah, il faudrait peut-être que je replante quelques pousses. Oui, je sais, mon champ de blé est ignoble, hein, c'est ce qu'il y a de pire. Mais c'est amplement suffisant pour l'usage que nous en avons pour le moment, donc tout va bien. Allez, c'est parti. Allons chasser.
J'aimerais juste ramener Blanchette dans l'enclos. Blanchette, reviens ici, tu gardes la baraque. Allez, dépêche-toi. C'est par là que ça se passe. Allez, viens. Oui, c'est vrai que Blanchette déteste les barrières doubles. Allez, viens là. Parfait. J'en peux plus du bruit des Walibi. C'est un truc de fou, ça. Alors, on va donc reprendre le ballon. Blanchette, tu gardes la maison. À tout à l'heure. Ça va aller? Oui, tu me diras, t'es pas seul. Ça change un petit peu hein, de la première saison de Genshin. Ils sont complètement cons, ces Walibi. Regardez, ils sont à fond, ils sont à fond. Alors, je vais manger, quand même. Voilà, niveau nourriture, on risque pas grand-chose. Et puis, de toute façon, je le répète, je m'autorise, de temps en temps, pourquoi pas, quelques écarts en allant me récupérer des trucs grâce au mode tout mini-item. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore fait, mais ça pourra arriver. Nous le ferons certainement. On se barre, on sera un peu plus tranquille. Donc je referme mon portillon. Alors je propose qu'on fabrique une nouvelle cage. On va pas emmener celle-là, on va les laisser là. Et on va se fabriquer une cage en fonction de la taille d'un animal, parce que je ne sais pas du tout quelle est la taille, la dimension du chameau, si on le trouve. J'ai pas dit non plus qu'on trouve ce chameau, hein. Si ça se trouve c'est une grosse connerie que vous m'avez racontée. Donc on retourne dans notre... Voilà, on va pas monter trop haut. Là on est bien. C'est parti. C'est trop génial. Voilà, on va pas tourner trop. Hop, j'oriente mon ballon bien comme il faut. C'est juste super, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir voler en ballon dans Minecraft. C'est génial. C'est complètement fou. Alors, normalement, on a du cochon, on a du mouton. Mais ce qu'on cherche, c'est du chameau ou du dromadaire. Alors, dromadaire, il a une bosse, hein, et le chameau en a deux, si j'ai bien compris. Selon vos explications à vous. Hein. Nous avons encore des singes juste en bas, mais nous en récupérerons éventuellement plus tard. Je pense que dans le prochain épisode, nous commencerons la construction du zoo. On peut commencer un zoo en ayant déjà quelques créatures telles que nous en avons déjà récupérées. Je pense qu'on pourra commencer. Alors, où est-ce qu'il a vu son... Alors là, oui, là, c'est où nous sommes venus attraper nos iguanes. Regardez, il y a de la dirt juste là. C'est celle que j'avais installée pour... pouvoir grimper ou regrimper dans mon dirigeable. Et je ne vois pas de dromadaire ou de chameau. Oh, you. Vu. Appareil photo. Là, regardez. Incroyable. Un chameau. Alors, il a une bosse, c'est un dromadaire. Pardon. C'est ça, hein, si j'ai bien... Si, faudrait que j'arrive à zoomer correctement. Il faut que je prenne une photo. Photo, attention. Superbe. Alors, peut-être que je me trompe. Un dromadaire ou chameau, on va appeler ça un dromadaire. Un dromadaire. Dromadaire 01. On va en faire d'autres. On va se rapprocher de toute façon. Il est juste magnifique. Il est tout seul. C'est juste génial. C'est juste génial, les amis. Yes. Alors, on va s'approcher de lui. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Crap Change World. Hop. On est reparti. Il est là-bas. Alors où est-ce qu'on va pouvoir atterrir? J'espère qu'il est attiré par le cannabis, lui aussi. Des animaux complètement drogués dans cette émission. Je pense qu'il l'est aussi. Il est aussi sensible au blé. À mon avis, on va se poser très doucement, très discrètement. J'espère qu'il n'est pas farouche, qu'il n'a pas trop peur de l'humain. A priori non, il n'est pas inquiet. Mon ballon arrive et ça ne lui pose aucun problème. En tout cas, en apparence. Hop, on va descendre ici. A priori, la zone est à peu près... Pop. Petite marche arrière quand même, petite pivotation. Tac, on va se mettre bien droit, bien plat. Là, on va se mettre un endroit plus plat. Je regarde ma boussole, en fait, pour ça. Et on va se poser juste ici. Pouf. Arrête-toi. Là, je pense qu'on est bien. Écoutez, on est super, hein, les pieds dans l'eau, là. Plouf. Bonjour. Oh, c'est génial. Alors, écoutez, on va continuer la session photo. Oh, il fait un bruit de cheval! C'est incroyable. Alors là, il est dans l'eau, c'est un petit peu particulier. J'aimerais bien qu'il... Attendez, on va essayer de voir déjà s'il est... Je suis tout excité, tout foufou. Je suis tout foufou. Oh, regardez, ça marche. Ça marche très très bien. Apparemment, le blé le rend fou lui aussi. Viens par ici, mon ami. Viens là. Hop. J'ai envie de lui donner. Non, je vais le garder, j'en ai qu'un. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que c'est ça? Regardez. Oh, des vautours! On a des vautours juste là. Photo, 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 photo. Oh, elle est pas terrible. C'est pas grave, je garde. Ça, c'est le genre de bestiole, je sais pas si je vais réussir à les attraper. En tout cas, c'est juste énorme. Oh bah pourquoi pas, il arrive! Il vient me voir! Trop de bêtes! Oh, c'est juste génial! Il y en a deux, là! Attention, les amis, vous pouvez prendre feu, hein, dans le ballon, il y a du feu. Ne vous approchez pas du... Merci. C'est pour vous que je dis ça, hein. On va essayer de reprendre une photo bien belle du... Arrête de bouger, toi. Voilà, tu bouges plus. Tourne-toi un tout petit peu. Et tout petit peu. Pivote, s'il te plaît. Pivote. Il faudrait pas qu'on voit le ballon. Alors, il me tourne le dos. Et alors, les animaux ont une tendance fâcheuse et incroyable. Je pensais qu'il y avait que les chats qui faisaient ça, mais non. La plupart des animaux montrent toujours leurs fesses. C'est incroyable. C'est comme ça. Ils montrent leur cucu dès qu'ils peuvent. Ça, c'est pour ma fille. Voilà, la blague du cucu est faite. Attention, photo. Très bien. Normalement, on voit pas notre HUD. Dromadaire, et c'est donc la 02. Oup. Voilà. Super, merci mec. Donc on va fabriquer la cage de transport. Quelle heure est-il? Je n'ai pas d'heure sur moi, c'est vrai. On doit avoir le temps. Alors, il me faut du bois. On va faire un petit peu la même chose que la dernière fois. C'est pas très gros comme animal, donc on devrait pas avoir trop de difficultés. Alors, on va faire ça là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Je fais le sol, tout simplement. Voilà, on va faire le fond de la cage. Est-ce que j'ai encore du bois? Plus des masses. Heureusement, il y a tout ce qu'il faut dans... Oh, regardez, c'est incroyable ce que vient de faire cet animal. Ah, c'est génial. Il est venu puiser à la surface de l'eau, peut-être manger quelques poissons ou quelques insectes aquatiques. C'est beau, la nature, moi ça me bouleverse. Ça me bouleverse totalement. Il me faut du bois, c'est ça que je suis venu chercher. Allez. L'important, c'est que le dromadaire ne se barre pas et qu'on ait le temps de fabriquer notre cage, de rentrer à la maison. J'aurais dû emmener un lit, vous me l'avez dit. Emmène de quoi dormir sur place, j'ai pas pensé à le faire. Ah, c'est pas grave, on pourra toujours se le crafter s'il le faut. On va pas revenir à la... Alors je pense qu'il devrait rentrer là-dedans, j'espère. On verra bien. En fait, j'aurais pu emmener de la cage précédente. Tant pis, nous le saurons. Nous le saurons, nous le ferons à l'avenir. Alors, même système, hein. Histoire de pas trop galérer, je vais me faire... Oh, regardez! C'est du délire, toutes les bêtes qu'il y a ici. Oh, comme il est mignon! Un tout petit lézard marron du désert. On va se faire des vivariums remplis de bestioles, je vous dis pas. Sauf que là, pardon. Sauf que là, pour le moment, on est... Oh, il y en a deux! Un couple! Je sais plus où donner de la tête. Oh, encore un! Et entre-temps, notre dromadaire s'est barré. Il est pas parti trop loin, non, il est toujours là-bas. Bon, écoutez, on se concentre sur le... Voilà, il s'est mis en cage tout seul. Ils sont géniaux, ces petits animaux. C'est un gecko ou un truc comme ça, hein. Ah, c'est juste incroyable. Ah, je trouve ça génial, moi, d'avoir des animaux dans... Oui, je trouve ça génial d'avoir des animaux dans Minecraft. Autant de bestioles à trouver, à rencontrer. C'est juste incroyable. Donc on sait qu'ici, on pourra encore venir récupérer des vautours. Ces petits lézards qui sont juste trop mignons, quoi. Trop bidounous. Attendez. Je commence à faire un peu n'importe quoi. Faut que je me concentre sur la construction de cette cage. Allez. Alors que la nuit est en train de tomber. De toute façon, si la nuit tombe, nous décollerons et j'irai me récupérer, je sais pas, un sac à dos. Pas un sac à dos, un sac de couchage. De pouvoir trouver ça dans mon inventaire quelque part discrètement, histoire de dormir sur place et de ne pas avoir à rentrer au camp, passer la nuit entouré de bestioles immondes. Je pense que nous allons faire ça, tout simplement. Je peaufine juste la cage, il n'y en a pas pour longtemps, voilà. Ah oui, il y avait l'histoire de la demi-dalle. Oh, il n'y a peut-être pas besoin, là, on est sur du dromadaire, je sais pas non plus. J'ai plus de... Alors écoutez, on terminera la cage demain matin, vu que la nuit est en train de tomber. Nous allons dormir dans le ballon cette nuit. Petite pensée à Blanchette, qui va passer sa première nuit réellement toute seule au camp. Mais j'ai une confiance aveugle et complète en elle, je sais qu'elle va assurer, que ça ne posera aucun problème. Chameau, tu restes ici. Dromadaire, pardon, tu restes ici, je reviens, je ne fais que m'envoler de quelques blocs. J'espère que je vais pouvoir dormir là. On va s'élever un peu plus haut. Pouf, voilà, là on sera très bien pour dormir. Alors, voilà, je vais devoir faire une petite manipulation. Est-ce que j'ai de quoi me fabriquer un lit d'ailleurs? En fait, à vrai dire.
Eh bien oui, totalement. Nous allons fabriquer un lit. Et je sais pas où on va le mettre, mais on va bien trouver. Allez, c'est parti. C'est un petit peu bruyant, nous sommes dans les hauteurs. Voilà, on va le mettre où? Est-ce qu'on peut mettre un lit sur du verre? Eh bien non. Alors ce qu'on va faire, c'est casser peut-être quelques blocs. Ici, on va essayer de pas tomber. On va casser celui-là pour l'esthétisme et nous allons mettre notre lit qu'on cassera demain matin. Juste ici. Bien écoutez, bonne nuit et à demain. Étirement de... Ouh, j'ai fait du bien. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai bien dormi. C'était une très très bonne idée que de venir dormir ici, en fait, de passer la nuit là. Nous allons pouvoir atterrir. Ça nous évite un aller-retour pénible. Oh, regardez! Hop, 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 hop. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Trois dromadaires. Trois dromadaires. Oh là là. Écoute, on va capturer celui qu'on a déjà vu. Je vais les prendre en photo. Ça veut pas. Ah oui, il faut que je sois sur l'appareil en question. Superbe. Juste superbe. Dromadaire. Ah, j'ai fait une faute horrible d'orthographe. Dromadaire. 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 On va l'appeler 01. Ils sont plusieurs. Je l'ai mis au pluriel. Ça ne devrait pas poser de soucis. C'est juste génial. Bon, écoutez, on va déjà essayer de capturer ce premier dromadaire. On verra pour les autres plus tard. On va pouvoir se faire un zoo de toute beauté, tout simplement. Ça va être génial. Vraiment génial. Alors, attendez. Craft the World. Il faut que j'atterrisse maintenant. C'est parti. Atterrissage. Par contre, on a un Enderman juste en face. On va essayer de pas trop le regarder. On va pas s'y intéresser. Histoire de pas être embêté. Allez, c'est parti. On va continuer notre cage. Où est notre dromadaire? Il est toujours là. Bonjour. T'as bien dormi, toi? Mais écoute-moi, super. Toujours en forme. T'as toujours les pieds dans l'eau. Hein. Il y a un dromadaire très particulier. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Regardez. C'est une luciole. Une toute petite luciole. C'est juste sublime. C'est juste sublime. Y a trop de bêtes, que la nature est belle, que la nature est belle. Oh mon dieu, j'ai envie de la suivre. Je suis totalement hypnotisé par ce petit cube jaune, en fait, qui représente une luciole. Ah, c'est juste génial. Je sais pas si je vais pouvoir attraper ce genre de bête. Bah, je vais essayer de pas trop me laisser distraire, parce qu'on a beaucoup de travail. Notamment, cette cage à terminer et ce dromadaire à capturer. Oh, c'est juste énorme. C'est juste énorme, cette aventure. Donc il me fallait des échelles. C'est reparti. Concentrons-nous. J'avais une grosse crainte aussi quand même sur cette partie, c'est qu'il y a énormément de mods. J'avais peur que ça rame, qu'on ait des gros problèmes de... comment dire, je sais plus. De fluidité, merci. Et en fait non, a priori ça va. J'entends un son bizarre. Il y a une autre bête avec nous. Je ne sais pas ce dont il s'agit. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Arrêtez les animaux, là il y en a trop, hein. Vous me distriez, je n'arrive pas à finir mon travail. Et j'ai bien entendu une autre bête, hein, il me semble. Quelque chose qui faisait un couinement bizarre. Un canard peut-être, tout simplement. Non, bah c'est les vautours. Extrêmement attirés par ma montgolfière, bah oui forcément. Ils ont un lien direct hein, avec elle. Et ce papillon? Ah, mais c'est pas un papillon. Ça c'est une... Ah, comment on appelle ça? Une mite, mite qui vole, enfin c'est un insecte en fait, mais c'est pas un papillon. Oh, c'est juste génial. Je sais pas si on va pouvoir mettre ça dans une boîte ou une cage ou l'attraper. Ce sera une des étapes futures. Je crois qu'on en a pour 25 épisodes, 30 épisodes de cette aventure-là. Je pense qu'on n'en a pas fini avec Zoocraft. Donc là, je voudrais mettre une porte. Est-ce que j'en ai sur moi? Non, on va mettre déjà la demi-dalle qui va bien. Pas la demi-dalle, pardon, la pressure plate. On va aller chercher une porte. Tout ce bazar pour ramener juste... Je pense que je vais éviter de me fabriquer des cages à chaque fois. Hein. C'est une belle erreur là que j'ai faite. Alors, la porte. Écoutez, nous aurons deux cages de transport. Ce sera très bien. Voilà, c'est parti. Si j'arrive à ramener ce dromadaire avant que la nuit ne tombe, ce sera déjà génial. On va vérifier que le système fonctionne. Hop, hop, et hop. Aïe, c'est pas très grave, on se met un petit peu mal, mais on peut se le permettre, on n'est pas dans une survie hardcore ou le moindre demi-cœur. Bonjour, j'ai du manger pour toi, viens là.
Mmh, oui, c'est bon, ça c'est de la bonne herbe, hein. Oh, oui. Tu veux de la bœuf ? De la bonne... Pardon, excusez-moi, j'arrête. J'arrête, c'est horrible. Je ne le rappelle, je ne fais pas l'apologie de ce genre de choses du tout, c'est juste amusant de délirer avec ça. Viens. J'espère qu'il va passer. Allez, viens, est-ce que tu rentres ? Allez, passe la porte. Ah ouais, la porte, tu vas pas la passer, toi, hein. Allez, viens. Bon, ok, on va se débrouiller autrement. Pousse-toi que je te tape pas. Allez, viens. Viens là, mon grand. Allez, viens. Viens là, mon Dodro. Viens là, mon Dodro. Je vais appeler Dodro le dromadaire. Dodo le dromadaire. Est-ce que tu rentres, là? Allez. Tu peux le faire. C'est trop gros pour toi. C'est pas assez large. T'es trop gros. Allez, viens. Oh, oh. Vous avez entendu comme moi. Nous avons... J'espère qu'il va pas être en train de me péter mon ballon, ça m'embêterait. Allez, viens. Là, tu rentres, là. Super. Allez, rentre bien comme il faut. Rentre bien comme il faut. Viens là, viens là. Ah oui, je suis en train d'attirer. Ah bah écoutez, on va capturer deux bêtes. D'un coup. Ah non, elle se barre. Hop. Et voilà, nous avons notre dromadaire qu'il va falloir réussir à ramener au camp maintenant. Et ça, c'est une étape un peu compliquée, car les animaux n'aiment pas forcément voler. Surtout les animaux terrestres comme celui-ci. Ah. Et en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de ramener les vautours avec nous aussi. Les faire... Oui, ça y a fait un petit peu mal. Tu sors pas de là, hein, s'il te plaît. Alors, il va falloir rajouter quelques barrières supplémentaires pour le décollage. Donc on va en mettre une ici et une là. Hop. Oui, alors la prochaine fois, promis, hein, je ne m'embête pas à refaire une cage. C'est une prise de tête inutile. Je vous l'accorde. Nous utiliserons les cages que nous avons déjà construites, qui sont amplement suffisantes, même pour les gros animaux comme les dromadaires et les chameaux, ou éventuellement les nénéphants. J'ai bon espoir de trouver des nénéphants à un moment ou à un autre. Oui, je deviens très très... Je rajeunis énormément, mais en présence d'animaux, je gagatise totalement, surtout quand ils sont aussi pixelisés. Je trouve ça juste sympathique. Forcément, ce sont de jolies bestioles. On aime les animaux de toute façon, on aime les animaux. Voilà. Eh bien écoute, mon ami dromadaire, nous allons décoller bientôt. On va essayer déjà de se fixer à la cage. Ça va pas être une mince affaire, je pense. Je vais garder avec moi le blé. On ne sait jamais, ça pourrait attirer les... Ah, c'est parti, décollage. Demi-tour. Je fais un peu n'importe quoi. On s'est tourné un peu dans tous les sens. Attendez, attendez, je vais me concentrer. Voilà, j'avance. Hop là. Le pilotage n'est pas aisé. Alors je vais m'aider de plusieurs choses. Déjà de la vitre qui est en dessous, qui est prévue pour ça. Et puis de ma carte, ma boussole, je dois pouvoir zoomer un peu. Voilà, on va essayer de se mettre vraiment au-dessus. Attention, on est pas mal. On est pas mal, c'est pas tout à fait ça. Alors, je vais parler beaucoup moins, parce qu'il faut que je me concentre, si on veut pas y passer 4 heures. Voilà, faut que je sois très précis, et c'est pas gagné. Ah, 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 hop, 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 je vais descendre pour voir. Alors, est-ce que je suis en contact? J'en sais rien. Écoutez, on va voir, je vais donc rejoindre le monde, et maintenant essayer de décoller avec notre ami, le dromadaire. Tu es prêt? Y'a quelqu'un? J'ai demandé si t'étais prêt. Ok, on y va. Décollage, bienvenue dans Gus Airline. Et ça décolle. Énorme. On est en train de ramener un dromadaire avec nous. C'est n'importe quoi, cette aventure. C'est n'importe quoi. C'est par là-bas. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais quand même garder un œil sur lui. Je vais piloter à la boussole. Hein. Histoire de vraiment être sûr. Oh, on a la petite luciole qui est en train de volter. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais donc y aller à la boussole, histoire d'être sûr. D'avoir un œil sur lui, de ne pas le perdre. Vous voyez, il aime pas trop quand ça tourne. Donc nous, on va par là-bas.
Ok. Voyez, on a une boussole d'ailleurs ici intégrée à notre poste de pilotage qui nous indique la direction. On peut aussi faire une télécommande pour le ballon, c'est pas con. Je ferai ça plus tard. Là, aujourd'hui, j'avais juste envie de ramener le chameau que l'un d'entre vous avait repéré la semaine dernière et je l'en remercie, c'est juste énorme. Et on va rentrer avec une petite vitesse de 2. Ça sera très suffisant. En avant. Tout va bien, monsieur ? Aucun problème ? Oui, c'est tout confort. Ben oui, belle cage, je sais. Si vous avez le mal de l'air, vous le dites, hein, j'ai des sacs à vomi. Je peux vous passer ça, il n'y a pas de problème. On va pivoter un tout petit peu. Tout doucement. Vous inquiétez pas, ça tourne un peu, mais tout va bien. Voilà, on va continuer par là-bas. Je crois que le con est juste en face de nous. Bon, de toute façon, c'est un désert dans lequel nous... Pourquoi je peux plus bouger ? Je peux plus avancer. Ah si, c'est bon. J'avais un petit bug de touche, je ne sais pas. C'est un désert dans lequel nous reviendrons, car il y a d'autres dromadaires. On va pas laisser un animal seul dans une cage. On viendra en chercher d'autres plus tard. Mais vous voyez, le jour est en train de se coucher à nouveau. Les journées sont très courtes. Et on n'a pas le temps de faire autant de choses que ce que je voudrais. Donc là, on va rentrer de nuit, une nouvelle fois, jusqu'au camp. On va séquestrer ce dromadaire. Quoi qu'on va le laisser dans cette cage-là, celui-ci. On va se poser par là-bas. Et dans le prochain épisode, je pense que nous commencerons les travaux de création du zoo. Sachez que je suis en plein déménagement, IRL, hein, dans la réalité, pas dans le jeu. Là, je suis déjà dans les cartons, et dans la semaine qui arrive, je vais devoir déménager tout un appartement. Et donc, je vais être absent de YouTube, et de mon blog, et de Internet, et de tout ça, pendant certainement quelques jours, je pense. J'ai ciblé sur une dizaine de jours. Il n'y aura donc plus d'épisodes pendant 10-15 jours, grand maximum. Dès que possible, j'y reviendrai. J'ai l'impression qu'on a un pigeon qui s'est posé juste là. Allez, j'ai pas rêvé. On a un pigeon qui s'est posé juste là et qui fait le voyage avec nous. Bah écoute, il a raison. Autant en profiter. Oui, donc je suis en plein déménagement, il n'y aura plus d'épisode. Donc celui-ci est le dernier actuellement. Voilà, pendant 10 jours, il n'y en aura pas d'autres. Quand je relancerai les enregistrements, nous commencerons à travailler sur la construction des premiers enclos véritables et du zoo. Finalisé avec, pourquoi pas, l'enclos des wallabies. Celui du dromadaire, nous ferons un beau bassin pour notre crocodile avec des plantations, un marais, nous ferons tout ça à peu près là, vous voyez, ici, dans cette zone-là, nous commencerons à construire notre zoo. Et ça, c'est pour l'épisode futur. Nous arrivons au camp. Avec un accueil pas très chaleureux. Écoutez ce qu'on va faire. On va rester dans les airs pour dormir cette nuit avec le dromadaire suspendu en dessous. On va lui demander si ça le dérange pas. Excuse-moi, dodo, le dromadaire, est-ce que ça t'embête si je fais un petit dodo cette nuit dans la nacelle du... Non, ça te dérange pas. Ah bah oui, tu as vu les zombies toi aussi. Ok, bah, on est d'accord, on va rester là. Hein. On prendrait trop de risques à atterrir pour le moment, nous ferons ça demain matin. On va quand même se mettre au-dessus du campement, histoire d'être dans la lumière. Voilà, on va pas monter trop haut non plus. Voilà. On va se mettre. Stop. Voilà, là, on est pas mal. Bon, écoute, on passe la nuit là, dodo, et à demain. Je vais arrêter notre machine. Tu ne bouges pas, hein. Tu restes bien là. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je pose mon lit, je fais dodo, et à demain matin. C'est parti. Bonne nuit, dodo. Ah bah Blanchette est juste en dessous, tu vois, t'es même pas tout seul, tu peux parler avec Blanchette si tu as envie. Blanchette, comment vas-tu? Est-ce que tu as... Ah, d'accord, elle me dit que ça va, tout s'est bien passé, aucun problème au camp. Elle s'ennuie un peu de moi. Oui, bah écoute, la prochaine fois, c'est promis, je t'emmène avec moi. C'est promis. Allez, on y va, dodo. À demain. Miam, miam, miam. Troisième jour, troisième nuit, avec notre ami dromadaire qui est toujours là. Ouf, c'était vraiment la première chose que je voulais voir au réveil, il n'a pas bougé. On va vérifier les alentours, est-ce qu'il y a un peu de danger quand même. On a du creeper par là-bas, quelques zombies. Bon écoutez, ça va se tasser. On va essayer de voir, attendez, est-ce que j'ai mon fusil? J'avais un fusil, un fut un temps, voilà, il est là. On va voir si je peux tuer ce creeper d'ici. Je crois que je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Bon. Ah bah il a disparu. Alors on va se déplacer et atterrir un peu plus loin pour permettre à notre... Ah bah voilà, le pigeon a décollé.
Au revoir, monsieur le pigeon. Incroyable. On va aller se mettre par là-bas. Bouge pas, toi. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il a envie de se barrer. Ce qui m'embêterait fortement. On a commencé à récupérer pas mal de bestioles, hein, l'air de rien. Cette histoire avance plutôt bien. Voilà, on va se mettre juste à côté de la cage qui est là. J'avance tranquillement. Il est toujours là, tout va bien. On passe au-dessus des kangourous. On passe pas au-dessus des kangourous, apparemment. Est-ce qu'on est bon, là? Si j'atterris là, on est un petit peu trop chez les kangourous. Hop, hop, hop. Ah, ça me semble pas mal. On descend, 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 descend. Et voilà, on est arrivé. Donc c'est là que je me casse la gueule, généralement. Aïe. Ah bah, bonjour les amis, comment allez-vous? J'ai sauté dans la cage au Walibi. Ils vont être dingues. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Comment je sors? Je vais me faire un petit escalier, en fait. Voilà. Notre ami dromadaire est là, et il va bien. Est-ce que ça t'ennuie de rester quelque temps dans cette petite cage? Non? Ok, bah écoute, je te laisse là-dedans. C'est vraiment juste le temps de... Juste le temps de pouvoir fabriquer un enclos un peu mieux. Et d'aller chercher d'autres animaux un peu plus tard. Attention au trou. Ah, quoi que ça m'ennuie, on va pas le laisser là-dedans quand même. Nous avons donc maintenant, dans ce magnifique... camp de capture d'animaux, plusieurs wallabies, on fait le point, hein, des wallabies, un dromadaire, un singe normalement, une chèvre, Blanchette, toujours fidèle, mais oui, ma belle Blanchette, toujours là. Le singe est ici, bien entendu, on a cette petite cage aussi inutile, nous avons deux iguanes, c'est juste génial. Je pense qu'on va mettre le dromadaire là, c'est un petit peu bas de plafond, c'est vrai que c'est un petit peu bas de plafond. Je vais l'améliorer, cette petite cage. Ah oui, pour ce qui est des torches que j'ai posées sur le toit la dernière fois, c'est vrai que sur les demi-dalles, et c'est un truc que je savais en plus, mais sur le coup, j'ai pas tilté. Sur les demi-dalles, les monstres ne peuvent pas popper, donc c'est totalement inutile d'avoir mis des torches comme je l'ai fait. C'est pas très grave. Je vais rehausser cette cage, tout simplement. Alors les animaux c'est bruyant, hein. C'est ce que je disais la dernière fois, il va falloir s'y faire, de toute façon. Dans cette cage là en fait je vais la laisser comme ça sans toit, c'est pas utile. Juste là pour eux qui sont... Ah bah non, c'est même pas relié, je pensais que c'était relié à la cage des wallabies. Dont je ne supporte plus le bruit. C'est insupportable, je suis désolé, on dirait des... Il faut un bruit de vélociraptor. Vos gueules, les wallabies! Pas possible. Il faut que j'aille dans mon ballon récupérer à nouveau des barrières. Ah merde, il est juste en haut. Il va falloir que je me la fasse, cette télécommande. Ou que je me la récupère. Écoutez, on va se la récupérer, je pense. Comment je grimpe maintenant? À l'ancienne, hein. Voilà, tout simplement. Allez, on va garer ce ballon par là-bas. Et puis, oui, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, donc au niveau des épisodes, mon déménagement, tout ça, je vous avoue que moi-même, là, je suis dans une période compliquée, à cause des déménagements, qui est une période fatigante, qui demande pas mal d'investissement, et c'est vrai que par rapport aux vidéos que j'enregistre, je suis un petit peu moins dedans. Je vais avoir vraiment besoin de faire le break, là, vous vous en doutez, donc ce sera très bien, et pour vous et pour moi, d'avoir une petite quinzaine de jours de tranquillité. Moi, ça va me permettre de me détacher un peu des enregistrements, j'ai quand même enchaîné énormément de vidéos en peu de temps, en à peine 3 mois, entre les saisons d'un gars une chèvre numéro 1, les The Crafting Dead, les lives, voilà, ça a été beaucoup de taf,
Je dis pas que je suis crevé, mais là, voilà, déménagement oblige. J'ai besoin de me concentrer sur le déménagement et laisser un peu de côté ces aventures-là qui me plaisent énormément, mais qui ont tendance à m'omnubiler un petit peu. C'est-à-dire que quand je suis comme actuellement en train d'enregistrer, je ne pense quasiment plus qu'à ça. Et c'est pas évident quand on a d'autres trucs à faire à côté. Et qu'on doit les faire bien. Et je vous avoue que je suis un petit peu à la bourre en ce qui concerne le déménagement. Voilà, je suis à 50% d'avoir tout démonté, tout bien rangé comme il faut. Et autant vous dire que j'ai encore beaucoup de travail puisque j'ai les clés de mon futur logement mercredi prochain. Voilà, vous savez tout de ma vie. Revenons à nos moutons. Alors écoutez, nous avons en madère là, voilà, il me fallait des barrières. Et je vais donc les récupérer juste ici, des barrières. Voilà, je vais en manquer, il va falloir que j'en refasse au bout d'un moment. Forcément, un zoo en réclame beaucoup. De toute façon, au fur et à mesure, nous redémontrons ce qui a été fabriqué ici. C'est par là que ça se passe. Nous redémontrons ce camp-là pour fabriquer le zoo. Mais qui sera un vrai zoo, hein, je vous rassure, ce ne sera pas juste des cages avec posées les unes à côté des autres. Non, ce sera, je vais faire un gros boulot, je pense, de construction. Une cage à peu près correcte. Bien écoutez, je crois que pour aujourd'hui, on va en rester là, simplement parce que malheureusement, j'ai pas le temps d'enregistrer plus longtemps. J'aurais adoré pouvoir passer plus de temps avec Blanchette, notamment, et avec vous aussi, ben oui, je sais. Pas tellement avec les Wallaby qui commence à me péter les oreilles. Mais c'est vrai que, mince, je voulais pas faire ça du tout. Voilà, j'ai besoin, là, de me mettre dans mes cartons. Donc j'avais promis et prévu d'enregistrer un dernier épisode avant justement ce petit break de 10-15 jours. Moi et Blanchette, on vous souhaite que les 10 jours qui arrivent et qui vont nous séparer se passent le mieux pour vous. Je pense que vous êtes tous en train de nous souhaiter bon courage pour mon déménagement. Merci, je vais en avoir besoin. Et puis, eh bien, écoutez, on se retrouve maintenant dans 15 jours pour la suite d'un gars et une chèvre Zoocraft avec, je vous l'ai dit et je le répète, les premiers bâtiments, les premiers aménagements du zoo. J'ai plein d'idées. Nous ferons des bassins, je pense notamment pour le crocodile, des trucs un petit peu en profondeur avec tout autour des barrières pour éviter de tomber dans la fosse au crocodile. On mettra des plantes, on essaiera d'aménager ça bien comme il faut. Ça risque d'être assez joli. Voilà, j'espère que de votre côté, eh bien, cette aventure vous plaît toujours autant. Prochain épisode maintenant dans 15 jours. Soyez patients, je vous donnerai des nouvelles. Si d'ailleurs vous voulez des nouvelles de moi, je posterai peut-être des choses sur mon blog. Je vous en rappelle l'adresse www.gusdx.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook et puis sur Twitter. Ce sont des réseaux sociaux sur lesquels je suis assez présent et qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur ce que je fais au quotidien. Peut-être pas au quotidien ce que je fais, que ce soit en ce qui concerne ces vidéos et puis le reste, puisque tout ça est forcément dépendant. Ma vie et les vidéos sont intrinsèquement liées et vous êtes liés à tout ça. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Salut Blanchette ! Au revoir, à bientôt les amis. Ciao.